Donc ici, on se retrouve sur les éboulis calcaires du château du Cèpre, donc qui représente 50% de notre terroir, où on se retrouve avec des milliers de petites pierres calcaires qui sont descendues des collines alentours avec des siècles et des siècles. Donc ce sont des terroirs pauvres, des terroirs sur lesquels historiquement il poussait de la vigne ou de la lavande. Et c'est des terroirs qui donnent des vins avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de longueur, des superbes parfums de violette. Mais la caractéristique essentielle est la longueur et la fraîcheur. Donc c'est vraiment des terroirs que j'aime beaucoup. Voilà. Alors ici on se retrouve sur la deuxième partie des terroirs du château du Cèpre, donc qui représente aussi 50%, où on est sur ce qu'on appelle ici les troisièmes terrasses. Les troisièmes terrasses qui sont les anciens lits de la rivière, où on a des terrains, donc on a un peu de sable, de l'argile, mélangé avec beaucoup de galets roulés. Ce sont des terroirs qui ressemblent un petit peu à certains terroirs de Châteauneuf-du-Pape, qui sont ici sur Cahors historiquement très, très réputés, et qui donnent des vins avec une puissance assez importante. Donc ce sont des terroirs qu'il faut hyper bien maîtriser au niveau vinification pour extraire plus la fraîcheur et la longueur que la puissance des vins.